C'est un petit pays de 12 millions d'habitants logé entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Son nom, Cambodge, signifie « né de l'eau ». Un pays qui commence tout juste à se remettre de ses blessures, à l'image de Phnom Penh, sa capitale. D'après la légende, une riche dame, Madame Penh, trouva quatre statues de Bouddha dans un tronc d'arbre flottant sur le Mekong. Elle fit ériger une colline, Phnom, en Khmer, pour y vénérer ses reliques. Ainsi naquit Phnom Penh. Aujourd'hui, c'est une capitale en pleine renaissance avec ses badauds flânant sur les quais au bord du Mekong et ses vestiges de la période coloniale. Mais la violence de son passé récent est toujours présente, 25 ans après. La douloureuse histoire de ce pays a marqué le monde entier. Alors, dès mon arrivée à Phnom Penh, je me rends à l'exposition organisée au Club des correspondants de presse étrangers qui nous replonge dans le souvenir du 17 avril 1975. Ce jour-là, après 5 ans de guerre civile, Phnom Penh tombait aux mains des communistes cambodgiens, les Khmers Rouges, sous les yeux du photographe américain Al Rokoff. Le lendemain, en moins de 24 heures, Phnom Penh était vidé de ses habitants, envoyés de force dans les campagnes pour cultiver les rizières. Ce fut le début du régime de terreur de Pol Pot, marqué par un effroyable génocide. Environ 2 millions de personnes exterminées, presque un quart de la population cambodgienne de l'époque. Massacre humain doublé d'un massacre culturel. Les Khmers Rouges rêvaient de créer une nouvelle ère pour le Cambodge. Ils firent table rase des influences occidentales et du passé, tout le passé. Les arts traditionnels khmers, tels la danse, la musique et la sculpture, furent ainsi systématiquement détruits et les artistes assassinés. Aujourd'hui, le pays a enfin retrouvé la paix et un début de prospérité. Mais que reste-t-il de cette ancienne civilisation khmère ? C'est le sens de mon voyage au Cambodge. Première étape, rencontre avec le photographe Al Rokoff, témoin essentiel du jour où tout a basculé. Al, pouvez-vous me dire ce que vous avez vécu à cette période particulière de l'histoire du Cambodge ? Pendant les deux ans, j'ai vécu ici en pleine guerre entre 1973 et 1975. C'était une période très dure pour les Cambodgiens. Voici une photo du 17 avril, date de la victoire des Khmers Rouges. J'étais là pour couvrir l'événement. Regardez, c'est le bâtiment que vous voyez là-bas. Aujourd'hui, c'est le club des correspondants étrangers. Le FCCC ? Oui, le FCCC. À l'époque, c'était des bureaux, mais je ne sais pas très bien ce qui se trouvait au premier étage. Regardez, les gens applaudissent. Ils sourient, mais pas parce qu'ils sont pour les Khmers Rouges, mais parce que la guerre est terminée. Ils sont heureux que la guerre soit finie. C'était une bonne nouvelle pour eux. Oui, c'était vraiment la raison pour qu'ils soient... Que disent les gens lorsqu'ils voient vos photos? Il y a des réactions différentes, mais en général, ils sont contents quand ils voient ce que j'essaie de faire. Pour certains, c'est très dur de regarder ces photos. Certains Cambodgiens viennent voir les photos de l'exposition. Ils regardent les photos de foule à la loupe et cherchent des visages connus. Mais la plupart sont morts. Je pense que pour eux, il est important de montrer ces photos. De même pour que le monde entier puisse se rendre compte de ce qui s'est passé ici, la guerre et aussi après la guerre, puis la reconstruction de ce pays. Pour se reconstruire, retrouver sa grandeur passée et la force de sa culture, le Cambodge doit d'abord retrouver sa mémoire religieuse et les manuscrits de ses pagodes. Plus encore peut-être que les autres Cambodgiens, les Bonzes ont particulièrement souffert sous le régime des Khmers Rouges, arrachés à leur vie monastique, forcés au travail dans les rizières. Mais dès 1979, un des premiers moines bouddhistes entrés à Phnom Penh décida de reconstituer l'ancienne bibliothèque de sa pagode.
Depuis 1991, l'École française d'Extrême-Orient, un institut regroupant des spécialistes de l'Asie et de la civilisation orientale, s'est installée dans cette même pagode pour continuer à grande échelle cette entreprise de sauvetage culturel. C'est ici que travaille le chercheur français Olivier de Bernon. Je suis bien à l'École française d'Extrême-Orient. Oui. Ah, attends, parce que j'ai pas mal de questions. Je peux m'installer ? C'est vous ? Pas mal de questions à vous poser sur ce que vous faites ici. Ici, le laboratoire que j'anime est un laboratoire de conservation paléographique, c'est-à-dire c'est un laboratoire de conservation d'études du bouddhisme et de conservation des manuscrits. Entre 1970, le début de la guerre, puis la période des Khmer Rouges, 75-79, puis ensuite 10 ans d'économie de survie, et les manuscrits ont été, le patrimoine manuscrit a été une immense partie détruite au Cambodge. Pour vous donner un chiffre, le chiffre auquel moi je suis arrivé, c'est que les Khmer ont perdu entre 95 et 98% de leur patrimoine. On a trouvé un exemple dans un monastère assez proche de Phnom Penh où une collection avait été cachée en 1974 et c'est nous qui l'avons retrouvée en 1993 dans un plafond. Les gens du monastère ignoraient absolument qu'ils avaient une collection qui est l'une des plus belles de la province de Kandal, au Wat Phai Chum. Il y a trois types de manuscrits traditionnels. Il y a les manuscrits, le plus courant, c'est le satra, c'est des manuscrits longs sur des feuilles de latanier. C'est quoi ? C'est une feuille de palmier. Ah, c'est une feuille de palmier. Et puis il y a des manuscrits du papier traditionnel. Et le contenu des textes n'est pas tout à fait le même. Oui, de quoi parlent ces manuscrits ? Sur les textes religieux pour la plus grande part. La plus grande part, et la part qui reste est encore religieuse d'une certaine manière. Les compétences que nous avons, ce sont des compétences de recherche, de classement, d'identification, de restauration physique, éventuellement d'études particulières de certains textes. Il y en a quelques-uns dont on fait la saisie informatique, quelques-uns encore plus rares dont on fait la traduction, ou en tout cas la présentation dans des articles. Votre mission est accomplie, quoi. Pour ce qui concerne la bibliothèque du Wat Sarawan, la mission, est, je crois, le sera vraiment quand j'aurai transféré ça aux autorités khmères. Et pour vous, quel serait le plus bel avenir pour cette collection ? C'est qu'elle serve à quoi ? Eh bien, le plus bel avenir pour cette collection, c'est qu'elle soit lue de manière universitaire, par des chercheurs, et de préférence des chercheurs cambodgiens. Good morning. Pour se déplacer dans Phnom Penh, une grande ville d'environ 1 million d'habitants, rien ne vaut la moto-taxi. C'est d'ailleurs ainsi que je rejoins le marché central. Son dôme, de style art déco, est fraîchement repeint, mais toujours en cours de rénovation. Une belle balade pour rencontrer le Cambodge d'aujourd'hui et pour flâner entre boutiques de bijoux en or, étalages de foulards et échoppes de sarong, la jupe traditionnelle khmer portée par les hommes et les femmes. Prochaine halte dans mon périple entre mémoire et avenir, le Royal, une des perles de l'architecture coloniale, un hôtel construit en 1929 et riche d'une très longue histoire. C'est ici que séjournèrent tous les Occidentaux, hommes politiques, journalistes ou personnalités qui participèrent à l'histoire du pays. Des clients prestigieux dont Thomas Meyer, le directeur de l'hôtel, est très fier. Ça a toujours été le palace de Phnom Penh. Toujours, spécialement le bâtiment qu'on en se trouve, ça, c'est le bâtiment original. Et puis le Writer's Bar, c'était l'endroit fameux pour les journalistes, pour se rencontrer pendant la guerre, pour échanger des informations, pour discuter sur la situation. C'était le spot à Phnom Penh pour se rencontrer. Et parmi les personnalités qui sont passées ici, quels étaient les clients célèbres que vous... Les quatre clients plus célèbres, tant qu'on en a rendu hommage, qu'on en a donné une suite personnalisée, c'est Jacqueline Kennedy qui restait avec nous lors de la visite officielle auprès du palais. On a une personnalité suite pour Charles de Gaulle, André Malraux et Somerset Maugham. Ce sont les quatre personnalités les plus célèbres de ce monde.
Le Palais Royal. Depuis la restauration de la monarchie en 1993, il est redevenu la demeure du roi Norodom Sihanouk et de sa famille après leurs années d'exil, et le haut lieu des fastes du royaume. C'est l'un des rares témoignages du passé épargné par les Khmers rouges, trompant ainsi le monde extérieur en affichant leur soi-disant attachement aux richesses culturelles du Cambodge ainsi qu'à la famille royale. Le palais a été construit entre la fin du 19e siècle et le début du 20e par des architectes français chargés de rebâtir l'ancien palais de bois des souverains cambodgiens. Aujourd'hui, seule la pagode d'argent est ouverte au public. Une merveille avec les 5000 dalles d'argent qui en recouvrent le sol et ses murs ornés d'extraordinaires trésors de l'art khmer. Des masques, des fresques et des dizaines de bouddhas en or massif. Un endroit où le temps semble suspendu. Le pavillon offert par Napoléon III au roi du Cambodge en 1866. Il fut construit à l'origine en Égypte pour abriter l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration du canal de Suez, puis démonté et transporté par bateau au Cambodge. J'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Phnom Penh. Malgré la chaleur torride qui a succédé à la pluie, la foule s'est déplacée en masse. Depuis le retour de la monarchie, les fêtes rythment à nouveau la vie du pays. Cette année, le roi Norodom Sihanouk assiste en personne à la fameuse cérémonie du sillon sacré, une des rares apparitions publiques du souverain. Selon une tradition trois fois millénaire ayant résisté aux aléas de l'histoire, la famille royale doit ouvrir la saison des labours en traçant les premiers sillons de l'année. Le petit-fils du roi, le prince Sisovat Chivannarit, mène les bœufs sacrés. Sa petite-fille, la princesse Norodom Ratanadevi, lance les semis dans le sillon tracé par la charrue royale. Cette cérémonie a aussi et surtout valeur de présage. Selon le comportement des bœufs et la ferveur des prières qui les accompagnent, on prédit l'importance de la récolte, la pluie ou la sécheresse, la paix ou la guerre. Vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cette cérémonie qui a lieu une fois par an ? En fait, c'est pour prédire l'avenir de la récolte. Là, comme je ne sais pas si vous avez compris, mais les résultats ont été plutôt bons à partir du moment où les vaches ont tout mangé. La vache a bu 50% de l'eau, donc ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'inondation, mais d'un autre côté, il n'y aura pas non plus de sécheresse. D'accord. Donc tout le monde est très content. Voilà, tout le monde semble être très content des résultats et on verra bien. Très bien. Ça a lieu donc une fois par an, c'est une bien fois ça, par c'est an. Rituel. Bah, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Je ne sais pas très bien si c'est traditionnel, la poignée de main. On ne m'a pas vraiment expliqué ce qu'on devait faire, alors le protocole, mais alors, je ne sais pas. Ah, enseignez-moi. C'est comme ça ? C'est comme ça. Très bien. En cherchant un peu au détour d'une rue, je me rends compte que la culture khmer renaît de ses cendres après tant d'années de destruction et d'oubli. Hello, sir. Bonjour monsieur. Hello. Ne vous dérangez pas pour moi, juste un coup d'œil. Cet artisan, par exemple, a retrouvé les gestes d'autrefois pour recréer des masques utilisés pendant les spectacles de danse ou de théâtre traditionnels. Ces masques sont fabriqués à partir de papier mâché et sont enduits de résine de bois. Ils ne peuvent pas être portés avant la cérémonie rituelle où l'on ouvre leurs yeux avec une pointe chauffée à blanc.
Please tell me. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire à quoi servent ces masques? Je fabrique ces coiffes et ces masques qui seront portés lors des représentations du ballet royal Khmer. C'est une tradition très ancienne. Voici un des masques du Rimke, le Ramayana Khmer. Il représente le personnage de l'ogre, symbole du mal. Very light. Yeah. Nice. Yeah. Very nice. Malgré les Khmers rouges, la tradition du ballet royal avec ses costumes et ses masques a survécu, tout comme l'enseignement artistique donné à la Faculté royale des Beaux-Arts de Phnom Penh. Tranquille et sereine, cette école semble n'avoir jamais cessé de fonctionner. Comme autrefois, garçons et filles sont initiés dès l'âge de 6 ans à l'art subtil et délicat de la danse khmère. Sa tradition remonte très loin, à l'époque où les apsaras, les danseuses célestes, contribuaient à la gloire des rois divins. Cette danse est un savant mélange de mimes et de poses, où seules les mains et les pieds sont en mouvement, où chaque geste a valeur de mots ou de sentiments. Cet art majeur, les Khmers rouges ont volontairement tenté de le détruire. S'il revit depuis 1981, c'est seulement grâce à la mémoire de quelques miraculés comme Pruang Chien, ancien danseur étoile, aujourd'hui directeur de la Faculté royale des Beaux-Arts. Comment avez-vous réussi à réactiver toutes ces activités qui étaient interdites pendant la période de Pol Pot? Oui, comme vous savez bien, après l'année 1979, notre ministère de l'information et de la culture a réorganisé la troupe de danse. Et c'est pour savoir les survivants, nous avons célébré le festival provincial et régional. Et après le festival, nous avons su qu'il nous reste 10% des survivants et 90% sont tués et sont escapés dehors. Il y a, après 79, il y a beaucoup de destruction, même humaine et matérielle. Oui. Et c'est très difficile pour faire revivre notre danse. Et, premièrement, c'est par les mémoires de survivants et deuxièmement, les documents que nous avons reçus, des films ou bien des livres avec des amis étrangers. Parmi ces documents, ce film qui présente la princesse Bopa Devi, la fille du roi Sihanouk, autrefois danseuse étoile du ballet royal cambodgien et aujourd'hui ministre de la Culture. Un film tourné dans les années 60 par le roi lui-même, réputé pour ses réalisations cinématographiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir renoué avec avant, c'est-à-dire d'avoir retrouvé l'intégralité de l'art et des traditions cambodgiennes? Nous avons de l'espoir de faire revivre. Comme vous voyez, juste maintenant, nous avons fait revivre quelques danses 100% et quelques danses 70% ou bien 50% parce que surtout, nous avons perdu la pièce. Il y a des manuscrits qui ont disparu. Ouais. Mais les survivants, surtout avec la mémoire des survivants. Mui, pi, bay, ta, mui, pi, bay, những cái chữ bay, mui, pi, bay, mui, pi, bay, còn những cái phong tiết. Chết mất.
Pourquoi as-tu choisi d'apprendre à danser? Tu aimes la danse? Oui, j'aime beaucoup. Et je continue de m'entraîner à la danse classique pour que les autres jeunes, après moi, puissent connaître et mieux comprendre cette danse khmer qui est aussi un art. Tradition encore et toujours. À une heure de bateau de Phnom Penh, au cœur du Mekong, voici Khor Dak, l'île de la soie. En effet, ici, une grande partie des 11 000 habitants vit du travail de la soie. Le village n'a pas d'électricité, mais chaque famille dispose d'une batterie de voiture pour éclairer sa maison et regarder les combats de boxe à la télévision. Comme tous les enfants du monde, les petits Cambodgiens aiment les glaces. Et ici, ils peuvent les gagner grâce à ce jeu. J'ai joué, j'ai gagné, et ils se sont tous régalés. Les femmes travaillent 6 heures par jour sur ces métiers à tisser traditionnels. Il faut 5 jours de travail pour fabriquer le tissu nécessaire à la confection d'un sarong. Pour en apprendre un peu plus, je dois retrouver Laurent, fonctionnaire à Phnom Penh. Il a grandi ici. Le nom de... c'est une petite ville, en fait. C'est... Enfin, disons qu'on l'appelle... en français, on l'a donné un nom qui s'appelle l'île de la soie. Ouais. Et oui. Pour cause, puisque c'est... C'est parce que les gens du village, leur métier, ils travaillent, c'est la soie. Ouais. C'est un des principaux endroits où on fabrique, où on travaille la soie, au Cambodge. Disons qu'au Cambodge, il y a plusieurs endroits, mais cet endroit, c'est... Le plus important. Le plus important. Il n'y a que les femmes qui travaillent... Il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi, mais très peu, parce que les hommes ils travaillent sur la terre. Et autrement, les hommes vont à la ville pour trouver du travail. Et ça, alors, cette écharpe, tout le monde, ou presque, en a une au Cambodge, c'est un signe distinctif? Oui, oui. Ça signifie quoi, alors? Premièrement, ce truc, on peut, c'est très simple, c'est-à-dire, pour qu'on prenne une douche, on porte ça pour prendre une douche. Et puis autrement, si, parce que le Cambodge c'est un pays chaud, alors les gens qui se déplacent sous le soleil, alors ils sont obligés de recouvrir leur tête avec ce, on l'appelle krama. Ça. Ah, c'est le krama. Voilà. Et les métiers à tisser sont toujours comme ça? Ça n'intéresse pas les gens du village d'acheter des métiers à tisser un peu plus modernes, des machines éventuellement, non? Vous savez que c'est toujours intéressant, mais est-ce qu'il y a les gens ici, ils n'ont pas les moyens pour se payer, déjà pour investir dans ce truc, ils n'ont pas, ils sont obligés de faire un crédit à des fournisseurs. Ouais. Donc je ne pense pas pour l'instant pour trouver quelque chose qui est plus...
Moderne. Ouais, plus moderne. Ouais. Et donc, ils fabriquent également les métiers tissés. Exactement. Ils sont fabriqués ici même au village. Ici même. C'est un sacré travail. Hein. Pour la suite du voyage, direction la gare centrale de Phnom Penh. Pour aller découvrir les merveilles d'Angkor, j'ai décidé de prendre le train. C'est d'ailleurs la seule ligne traversant le pays. Il y a encore quelques années, ce train était souvent attaqué et les voyageurs détroussés, parfois tués. La ligne est devenue beaucoup plus sûre depuis que la plupart des soldats Khmer Rouge ont rendu les armes. Au bout du voyage, à plus de 300 km au nord de la capitale, voici la merveille des merveilles, l'un des plus gigantesques sites archéologiques au monde. Je suis l'un des premiers touristes à pouvoir le survoler en hélicoptère. Voici Angkor Wat, un des temples du site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. D'après la légende, Indra, le roi des dieux, voulut faire un cadeau à son fils qui régnait sur le Cambodge. Il lui fit visiter son palais céleste, mais le fils, modeste, décida de vivre dans les écuries. Indra chargea alors un architecte de génie de la reconstruire sur Terre. Ainsi naquit la cité d'Angkor. D'après l'histoire, la vraie, la centaine de temples du site d'Angkor a été construite entre le 9e et le 12e siècle, à l'apogée de la civilisation Khmer. C'est le roi Jayavarman II qui initia sa création en l'honneur de Shiva. Il fit construire un temple montagne, symbole du mont Meru, montagne sacrée et centre de l'univers. Autrefois, 700 000 personnes y habitaient. Après des siècles d'abandon, Angkor fut redécouvert en 1860 par un explorateur et naturaliste français, Henri Mouhot, parti seul en mission pour la British Royal Geographic Society. Depuis, les temples ont retrouvé peu à peu leur splendeur passée grâce aux travaux de restauration menés par des chercheurs de toutes nationalités. Parmi eux, Christophe Potier, architecte à l'École française d'Extrême-Orient. Bonjour. Bonjour. Christophe ? Oui, Christophe Potier. Alexandre. Désolé, bon. Je suis un petit peu en retard, j'ai un peu peiné à trouver là. Castantienne, bon, on va y aller directement. Hein, ouais, comme ça. C'est loin d'ici, non ? Non, 15-20 km, on va mettre une petite demi-heure, par une jolie petite piste qui passe dans les villages. Donc ça va changer un petit peu de la grosse ville, enfin même si elle était déserte, puisqu'elle est désertée quand même depuis quelques siècles. Ouais. Là, on va repasser dans le village, dans le Cambodge profond.
Et on va remonter un peu le temps, on va aller au 8e siècle, en fait encore avant encore. Les premiers temples, quoi. Formidable, en plus à moto on a un peu d'air, ça fait pas mal. Voilà, ça va alléger. Ok. Vu l'état des pistes, la moto est effectivement le moyen de transport idéal pour commencer la visite. Notre destination, le groupe de Rolluo. Il fait partie des plus anciens temples construits par les Khmers. C'est très impressionnant. Il y a eu un gros travail de restauration réalisé de 1936 à 1944, durant l'occupation japonaise, puisque le Cambodge a été occupé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un gros travail de restauration. On voit ici, entre autres, les consolidations de béton armé qui ont été installées. Mais il faut voir qu'il y a eu aussi beaucoup de remontages à cette époque-là, que ce soit par exemple ce pavillon, mais même aussi par exemple tous ces bâtiments ici en grès ont été complètement reconstruits. En fait, le plus impressionnant de la restauration des années 40, c'est ce qui a été fait au sanctuaire central tout en haut là. Ce sanctuaire n'existait pas du tout, il avait complètement disparu en 1930 quand... Éboulé, en miettes. Et on a retrouvé les différents fragments, tous les blocs, sur les gradins de la pyramide, en bas ici dans le remblai d'un mètre de terre qui recouvrait tout l'ensemble de la cour. Tout ça a été dégagé et on a identifié au fur et à mesure tous les blocs. Et comme un puzzle, ils sont arrivés jusqu'en haut. Tout ça par une chaleur de dingue. Oui. Oh, mais il y a la saison des pluies, des fois il fait un peu plus frais. Il fait quelle température là? Là c'est la saison froide là. Oui, il doit faire 37. Ah oui, 35, je me disais 37. Aussi, j'en ai apporté un pull. Oh mais non, mais là il fait, oui voilà, 10h du matin, c'est bon. Alors, le dernier gradin qui a cette particularité d'être le seul à avoir des bas-reliefs sculptés, mais malheureusement qui sont très très altérés. Et les seuls morceaux qui restent de ces bas-reliefs, c'est ceux-là. Ouais. Et c'est juste assez pour qu'on ait nos yeux pour pleurer, parce qu'ils sont superbes, mais malheureusement, il ne reste plus que deux, trois blocs, et c'est tout. Face nord, là. Oui, face nord. Alors, on va faire un petit repos bien mérité, là. Hein. Ah, puis un petit vent frais. Ouais. C'est la récompense. Sur les altitudes. Alors, du haut de cette pyramide, combien de siècles nous contemple? Voilà, faut faire une soustraction. On est ici, donc fin 9e siècle. Oui, ça fait plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans, oui. Ça a été le... Ici. C'est antérieur à Angkor, dont on aperçoit d'ailleurs 2-3 tours là-bas. Oui, on les aperçoit au fond. Ouais. C'est ici, à Rolluos, donc que commence en fait la période angkorienne. On l'a fait démarrer à partir d'une cérémonie très, très spéciale qui a eu lieu en 802, Charlemagne. Hein. Mais donc où un roi, Jaerman II, s'est fait introniser avec un rituel bien spécial. Et là, il est considéré comme le roi des rois. Et il réunit en fait sous son autorité différentes provinces qui étaient plus ou moins autonomes auparavant. Et en fait, il a beaucoup bougé durant son règne, mais ceci étant, il s'est installé à plusieurs reprises ici et il y est mort. Et il est vraisemblablement à l'origine de la construction d'un premier état de cette pyramide, un premier état qui était en latérite, qui a été après tapissé, si l'on peut dire, avec du grès, avec ces blocs de grès que l'on voit ici, qui recouvrent donc le premier état. Et ça a été fait par un de ses successeurs à la fin du 9e siècle, Indravarman. Et juste après ce règne-là, eh bien le roi qui va suivre décide de bouger la capitale et d'aller s'installer justement encore à 15 km de là, autour du Phnom Bakeng, qui est la seule petite colline de la plaine d'Angkor, une petite montagne d'une centaine de mètres de haut. Et c'est là où il va installer son temple principal, le temple le Palladium du royaume, et sa ville autour. Et c'est sur cette zone-là que va rester les capitales angkoriennes
quasiment sans interruption jusqu'au XVe siècle. Au XVe siècle, la cité d'Angkor fut saccagée par les envahisseurs du royaume de Siam et les temples abandonnés furent peu à peu envahis par la jungle luxuriante. Un seul d'entre eux a été laissé dans cet état de nature à titre de témoin. Il s'agit de Taprom, enserré, encerclé, magnifié par les racines tentaculaires des fromagers géants. Construit au XIIe siècle, Taprom était un monastère bouddhiste, un gigantesque labyrinthe de galeries, de cours, de bibliothèques et de couloirs entretenus autrefois par 80 000 personnes. Bonjour. D'où viens-tu? I come from France. Je suis français. Depuis combien de temps es-tu au Cambodge? Ça fait quelques jours. What's maintenant. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kai. Nice to meet you. Ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Alexandre. Je t'ai aperçu dans le temple. You know, tu connais bien ce temple? Oui, je passe beaucoup de temps dans ce temple. Je le connais bien. Je connais son histoire. Je vais te faire visiter. Ok, so show me. C'est une bonne idée. Je te suis. You can find those three in on trouve des arbres comme celui-ci dans tous les temples. Non, les autres temples n'ont pas d'arbres comme celui-ci, mais il y a des banyans. On y trouve de fromagers Kataprom, seulement ici. Tout est détruit ici. Oui, on peut voir que la tête d'Apsara est aussi cassée. Regarde, il n'y a plus de tête. Elle est détruite. Parfois, c'est à cause de la pluie, du ruissellement de l'eau ou encore des orages. Peut-être aussi à cause des gens. Oui, il arrive aussi que ce soit les vandales qui les volent et les revendent. Ils sont malhonnêtes. Tu as vu ceux qui ont fait ça? Oui, je les ai vus de mes propres yeux. J'ai même appelé la police. Les policiers sont venus, mais les Khmers s'étaient déjà enfuis. Ils ont eu le temps de voler la tête de l'Apsara. Je les ai bien vus et j'ai appelé la police. À l'époque fastueuse de la création de la cité d'Angkor, l'art khmer était à son apogée. Les statues de pierre ou de bois, les bas-reliefs ouvragés, parfois laqués et polychromés, étaient d'un raffinement extrême. Là encore, les Khmers rouges, tout à leur rêve de création d'une nouvelle société, ont eu une action désastreuse. Depuis 1992, dans les chantiers-écoles de Siem Reap, la petite ville proche d'Angkor, ces gestes oubliés sont à nouveau transmis à des jeunes venus de leur village. Comme pour la danse, c'est grâce à la mémoire qu'a pu refleurir la tradition des artisans d'Angkor, sous la direction d'un Français, Jean-Pierre Martial. Bonjour. Vous devez être Jean-Pierre. Je suis Jean-Pierre, bonjour. Savez-vous que je venais voir. Bonjour Alexandre, pardon, je me présente. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis que je suis arrivé à Siem Reap. Et donc me voilà pour savoir un petit peu ce que vous faites dans ce chantier école.
Donc ici, notre volonté, notre vocation, c'est de réintégrer des jeunes ruraux de 18 à 25 ans qui n'auraient aucun moyen de subsistance économique. Et donc, on essaye de recréer des emplois qu'ils pourront pratiquer dans leur village d'origine sans être obligés de venir travailler dans une ambiance urbaine. Ou... Donc, combien pouvez-vous accueillir de... Est-ce qu'on peut parler d'élèves, artisans On parle d'apprentis ici. D'apprentis. On parle d'apprentis et on accueille en moyenne 600 apprentis par année. Dans donc trois grandes branches de métiers, tous les métiers de la soie, tous les métiers de l'artisanat et enfin donc tous les métiers de la construction. Donc des menuisiers, des charpentiers, pour retravailler également sur la Renaissance. Je croyais qu'après l'épisode douloureux qu'a vécu ce pays, l'art avait pratiquement disparu, en tout cas avait été carrément déraciné, je dirais. Ben justement, c'est un autre axe du projet, c'est d'essayer justement de réenraciner ou de retravailler à l'émergence de cette culture qui est là, qui est présente dans tous les sites que vous avez visités et qui en fait avait totalement disparu, puisque quand vous êtes rentré, j'étais en train de m'adresser donc à ce jeune maître sculpteur et en 92, c'était le dernier maître sculpteur qui existait. Le seul dans le pays ? Le seul dans le pays qui existait et qui restait sur les sites et qui avait travaillé sur la conservation des monuments. Et donc tout est reparti grâce à ce monsieur ? Tout est reparti grâce à l'ail, effectivement, qui avec son savoir, avec toutes ses connaissances, eh bien, a reformé un certain nombre de maîtres. Et puis on a étendu et aujourd'hui, ben, comme on vous le disait, on a 350 artisans qui sont en situation de production d'authentiques pièces et de pièces de qualité, comme vous avez pu le voir. Actuellement, le revenu moyen familial au Cambodge est de $150 par année. Et c'est pas beaucoup. C'est très peu, c'est un des plus bas revenus du monde. Et chaque garçon formé et en situation professionnelle arrive très rapidement à avoir un gain de 70 à $80 par mois, ce qui lui constitue pratiquement un équivalent de $1000 par année. Donc vous pouvez vous représenter l'impact que ça a sur une famille d'envoyer ne serait-ce qu'un seul de leurs enfants. Dernière plongée dans le glorieux passé Khmer. Je suis au Grand Hôtel d'Angkor, prestigieux héritage de la période coloniale française. J'ai un rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Fabienne, j'imagine. Oui, bonjour. Alexandre. Fabienne Lucot est française et ethnologue, installée au Cambodge depuis 1994. Un pays qui l'a saisi au cœur depuis sa première mission comme chargée des droits de l'homme pour les Nations Unies. Je travaille à partir d'un village sur le site d'Angkor qui s'appelle Srasrang Nord, qui se situe sur la bordure nord du bassin du Srasrang, à côté du temple de Bangtek Day. Et c'est en plein milieu du site d'Angkor. Au bord du Srasrang, bassin où les rois d'Angkor venaient faire leurs ablutions, on s'arrête pour faire le plein des motos. Pas d'erreur, il s'agit bien d'essence. Au choix, 2 litres dans la bouteille de soda ou 1 litre dans la flasque de whisky. Le réseau est efficace. Je me demande s'il ne va pas en falloir encore. Ah non. Non, ok. Sur ces pistes étroites, la moto est vraiment le meilleur moyen de circuler. Et les pistes sont aujourd'hui parfaitement sûres, quand on ne s'écarte pas des circuits touristiques. À environ 30 km d'Angkor, nous arrivons à Phnom Kulen, la montagne sacrée. Un peu de calme.
C'est magnifique cet endroit là. Ça y est, on est à la cascade des Coulaines, avec la rivière sculptée des Milinga en amont et la pagode avec le Bouddha sculpté un petit peu plus haut là. À partir de maintenant, il faut marcher. Oui. Ça va changer. Alors ça, c'est le début de la cascade des Coulaines. C'est la petite partie qui descend sur une partie sculptée et qui ici descend avec une chute de 30 mètres. Alors là, on va descendre. Ouais. Et la rivière est sculptée sur quelle longueur sur, La rivière est sculptée en amont. Alors, sur une grande distance ou... Sur une distance assez grande, oui. Elle est sculptée en deux endroits. Et qui a fait ça alors? C'est ici où en 802 a été instaurée la première dynastie angkorienne par Jayavarman II, qui a choisi un lieu qui représentait tous les éléments de référence de la mythologie indienne. Alors cette montagne, les monts Coulaines, représente l'Himalaya, d'où coule la rivière Gange qui vient vivifier la plaine où habitent les hommes, les dieux et les rois. Alors à l'image de l'Himalaya, ici nous sommes sur la montagne des Coulaines et c'est la rivière sacrée qui descend et qui va... Fertiliser la plaine. La plaine, oui. Bon, on va descendre avec. Ouais. Un nom particulier ces chutes? Non. C'est les chutes de la montagne des Coulaines. Ah ouais. Oui. Et c'est la seule dans le pays, seule chute ou il y en a d'autres? C'est la seule chute importante et elle est vraiment connue dans tout le pays parce que ici c'est lieu de pèlerinage, lieu de week-end pour les gens de Siem Reap et de Phnom Penh et tout le monde dans tout le pays connaît cette chute d'eau. Tous les week-ends c'est plein de monde alors? Alors tous les week-ends ici les gens montent de Siem Reap ou viennent de provinces un peu plus lointaines. Ils vont déjeuner un petit peu plus haut, ils descendent ici et là c'est la scène de baignade. Ça va être très sympa. Très et sympa. À la saison sèche, parce que là on est au début de la saison des pluies, là il y a de l'eau, mais à la saison sèche il ne doit pas y avoir grand chose. Si, il y a toujours de l'eau, toujours. Le débit est moins important qu'actuellement, mais il y a toujours de l'eau. Ouais. C'est un décor du livre de la jungle. Hein, oui, exactement. Ouais. Après la rivière aux mille lingas, symbole de fertilité, le chemin s'élève, comme la spiritualité khmer, jusqu'aux hauteurs de la montagne sacrée. Tout Cambodgien se doit de faire ce pèlerinage une fois dans sa vie. Ça y est, on est arrivé là? Ça y est, on est au grand Bouddha couché, le Préatome. Wow. Le Bouddha qui rentre dans le Nirvana. Alors c'est une sculpture qui est très très connue dans tout le Cambodge. Et des gens viennent de toutes les provinces du Cambodge, viennent de Phnom Penh, faire le voyage au Coulaines. C'est le pèlerinage. Voilà, c'est le grand pèlerinage. Elle date de quelle époque cette statue? On pense qu'elle date du 16e siècle et on sait que des pèlerinages ont été faits ici très très souvent et malheureusement pendant toute la période de la guerre, de 70 à 94-95, tous ces pèlerinages se sont arrêtés. Et là, depuis que la situation est bien meilleure, les gens peuvent enfin revenir
Du pays entier. Du pays entier, oui. Ouais. Et voilà comment ce pays meurtri a su renouer les fils de son histoire. Danse, sculpture, musique ou spiritualité, le Cambodge aujourd'hui a enfin retrouvé son art, son passé, sa fierté.